y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est bon, on lâchera pas. La rage de vin coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal n'est plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Si nous sommes ici réunis cet après-midi, ce n'est pas pour rendre un dernier hommage aux regrettés services publics. Non. Si nous sommes si nombreux sur cette grande place, c'est pour exprimer notre colère envers ce gouvernement des riches et des nantis. Camarades, comme vous, j'en ai plus qu'assez de cette politique qui ne vise qu'à enrichir les plus riches et appauvrir les plus pauvres. Comme vous, j'en ai plus qu'assez que seuls les travailleurs portent le poids de leur crise. Comme vous, j'en ai plus qu'assez d'être la cible de ce gouvernement. Camarades fonctionnaires, cela fait plus de 30 ans que nous subissons les attaques du monde politique. 30 ans qu'ils privilégient l'emploi contractuel à l'emploi statutaire. 30 ans qu'ils nous imposent leur logique d'emploi précaire. 30 ans qu'ils nous traitent comme des moins que rien. Comme des planqués, comme des privilégiés. 30 ans que ça dure, camarades, 2 minutes que ça dure, et ils ne comptent pas rester là. Sabine vous adressait tout à l'heure le catalogue des horreurs du gouvernement Michel. Mais ne soyons pas dupes, camarades. D'autres ont également ce même type de catalogue. Que ce soit au fédéral, à la région, à la communauté française, ou au niveau local et provincial, l'objectif reste le même, faire payer l'addition aux fonctionnaires. Les plans de licenciement, les suppressions de services, les privatisations deviennent notre quotidien. Ils essaient de nous persuader qu'ils n'ont pas le choix, que c'est par nécessité, que c'est la fatalité. Eh bien, camarades, je le dis haut et fort, à la CGSP, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Non, ce n'est pas une fatalité. Non, ce n'est pas une nécessité. Ce sont des choix politiques, le choix d'une politique dogmatique qui aspire à un changement de société. Ils ne veulent plus d'une société basée sur la solidarité,